Invite ou ouvri bibou avec moi, bien aimé. N'a pour retourner sous yon méditation nous te gagné il y a 2 semaines de cela ou 3 que nous te joignons dans Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13. À ce n'a pour retourner sous parole ça, nous songer nous te présenter sous lit, travailler à votre salut. Et n'a terminé li, nous te senti nécessité pour nous fermer cette série ça. Et c'est ça que m'a invité à faire soir avec moi. Ouvrez Bibou dans Philippiens chapitre 2, n'appli verset 12 et 13. Et ensuite, n'a gagné pour nous lire Timothée 2, Timothée 4, verset 6 à 8. Donc, n'appli Philippiens 2, verset 12 et 13. Ensuite, n'appli 2 Timothée chapitre 4, verset 6 et 8. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. De Timothée 4, versets 6 et 8, c'est toujours l'apôtre Paul qui a parlé dans lettre que l'écrit à Timothée cette fois. Car pour moi, je sers de libation, c'est-à-dire je suis déjà comme sacrifié, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Parole du Seigneur et peuple bon Dieu à cap tendez et dit Amen. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimé, j'en t'ai annoncé li, à soya n'a retourné sous parole ça, travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut. Si vous songez, le nous t'ai commencé, ça gagne 2 semaines de cela, nous t'ai rappelé qui ça voulait dire, la parole de Dieu a enseigné ou travail à salut. Et nous te prenons un petit temps pour nous détailler. Si vous voulez dire travailler à votre salut, même Jean ça dit dans version Louis II, ou qu'a dit mettez à l'œuvre votre salut. Ça c'est traduction nouvelle version 1, second 21, mettez à l'œuvre votre salut. Exercez salut qu'on recevra gratuitement. C'est-à-dire comporter autant que monde qui sauvait. Nous te préciser pour vous, si préposition ça font grande différence. Texte en pape dit travail pour salut, il dit travail salut. Travail salut, ça veut dire tout simplement exercer salut ou recevoir. Si, en supposé, nous t'a considéré salut en tant qu'un vélo, un bécane, eh bien, travail salut, on veut dire monter bécane. Hein, pratiquer, al monter bécane, pas quitter bécane fermé dans garage là. Si ça lui en c'est en bécane, c'est ça t'a dit. Si ça lui en c'est à disons une belle radio baou, ça t'a dit pas quitter rad là fermé dans tiroir, mettez rad là sous ou sorti avec lui. C'est ça t'a dit. Mais étant donné que le salut c'est une nouvelle naissance, c'est lors où recevoir par la foi une nouvelle naissance en Jésus-Christ. Dans ce sens, ça, travail salut, on veut dire marcher dans nouvelle naissance. Là. Quitter derrière toute ancienne pratique. Quitter derrière façon te qu'on pensait avant. Quitter derrière façon te qu'on fait bagayou. Façon te qu'on y est. Rentrer dans nouvelle naissance. Ça. Embrasser. Embrasser, vivre tant que moun qui recevoir le salut. Yon bagay ko pa ka bay tête ou yon bagay ko pa ka acheter. Donc, comme rappel, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul a encouragé chrétien Philippio pour dire yo, mettez à l'œuvre votre salut avec crainte et tremblement. La crainte de l'Éternel, la parole de Dieu enseignée, c'est le commencement de la sagesse. Travaille saluant avec crainte. Li veut dire tout simplement, prends bon Dieu au sérieux dans sa bon Dieu dit dans parole li. Parole, bon Dieu, c'est oui et amen. Parole, bon Dieu, c'est la vérité. Travail saluant avec crainte, c'est prendre bon Dieu au sérieux dans sa vie. Et bon Dieu, dans parole, lui révéler à nous-mêmes, mes bien-aimés dans le Seigneur.
Et si nous min business non exercer ça le nous, toute ça la parole de Dieu enseigne nous, n'a appliqué au dans la vie nous. Par exemple, la parole de Dieu dit nous, c'est le Seigneur Jésus même qui a parlé, qui a dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces autres choses, bagay qui gain rapport à la vie ici-bas. Bagay sa yo yo gain place yo, mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le n'a travaille ça le nous avec crainte. Eh bien n'a prend Christ au mot. Le n'a travaille ça le nous avec crainte. N'a prend parole ça au sérieux. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc en gros, là me penser pour t'y rappel nous t'a fait où est côté nouillé qui ça l'apôtre Paul a dit et nous comprend très bien. Il ne s'agit pas de travailler pour sauver ou pas qu'à travailler pour sauver. Assoya, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de trois bénéfices qui gagnent. L'un monde travaille salut, l'un monde exerce salut. Premier bénéfice qui gagne la donne, c'est que monde ça vient gagner endurance dans épreuve. L'un monde travaille salut, exerce salut, libal endurance dans épreuve. Deuxième bénéfice li gen la donne, moun sa vin genyen yon assurance de salut. Yon assurance de salut. Et troisième bénéfice li gen la donne, moun nan vin genyen yon force spirituelle et émotionnelle devant la mort. Yon force spirituelle et émotionnelle devant la mort. On nou al gade, premier bénéfice lan, l'on travaille salou ou li bon endurance dans l'épreuve. Ou qu'on aime bien aimer la parole de Dieu enseignée dans Jacques 1er, verset 2. Moun qui a marché dans la nouvelle naissance, non. Moun qui en Christ, non. Il doit considérer épreuve qui vient sous ville, tant qu'on sujet de joie. Moun qui a travaillé saluant, c'est moun ça qui ouait épreuve là, tant qu'on passage obligé. Moun nan qui comprend, même j'en yon l'or, li pa ka pur, li pa ka purifié, s'il pa passé à travers le feu. Moun nan vin comprend, épreuve la pendure yo, c'est de bagay inévitable. C'est ça bon Dieu utilisé pour le ramener à niveau que bon Dieu lui-même voulait ramener là. Moun kap travail saluant, li gen yon attitude positive par rapport à de difficultés, de problèmes li ka fait face. M'pa abdou que épreuve problème facile. M'pa abdou souffrance facile, c'est pas ça m'abdi. M'abdi ou bon l'autre attitude par rapport à souffrance là. Le souffrance l'en vini, les épreuves l'en vini parce qu'on c'est monde qui prend habitude travail sous saluant, exercer saluant ou vivre saluant et épreuve l'en li paraît pour ou tant qu'il y a un bagage qui est inévitable et m'envie dit ou embrasser épreuve dans la vie. C'est ça la parole de Dieu a enseigné encore une fois. Jacques, chapitre 1er, verset 3. Le serviteur Jacques dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il y a l'autre version qui dit, produit la persévérance. La mise à l'épreuve de votre foi, les produits persévérance. Ou qu'on ait l'épreuve l'envini, son bagage cap raffiné au davantage, son bagage cap rapproché de maître là. Bien aimé, son bagage qui est extraordinaire, façon bon Dieu prend plaisir, utiliser souffrance dans vie nous, tant qu'un moyen pour le rapprocher nous davantage de lui-même. Et Jacques continue dans verset 4 là pour le dire, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli. Sans faillir en rien. Donc, l'on exposé à épreuve là, yon nan bagay ou genyen, li accompli yon travail nan ou, li rapprocho de sa Christ aptan de ou. Yon façon pou vin pi prè toujou nan marchou, pou vin pi prè qualification toujou, pou vin pi prè toujou sa Christ genyen comme destin pour vous, dans vous en tant que chrétien. Il faut parfait et accompli. Parfait et accompli, vous l'avez dit, ça ne veut pas dire sans péché, ça veut dire tout simplement ou dans exactement côté bon Dieu vous l'avez dans son plan. Ou pas manquer en rien. Ça,
c'est un effet, premier effet. Le monde travaille, exerce sa lule. Le monde vive tête li tankou moun ki sauvé, li pa n'importe moun. Et bien moun sa vinn gagner endurance dans épreuve. C'est pas moun ti krik ti krak ki jeté, ki krasé, ki té ça. C'est pas moun ti krik ti krak bagay fèl envie abandonner parce que li connaît nan ki est li kwè. Li connaît sa lule assuré déjà. Et tout ça qui vient sous route li, li prend yo comme si yo fait partie de plan bon Dieu ya. Et en réalité yo fait partie de plan de Dieu. Lors ces moun ki nan Christ, ou marcher dans intimité avec le Seigneur, ou konnen épreuve yo, yo pa vini par accident dans la vie. Ça c'est premier bagage bien-aimé, n'te vle wè avec ou. Deuxième bénéfice, les moun travail salul avec crainte et tremblement. Li vin genyen assurance salut. Et ça, bien aimé, li très important. Moun nan vin genyen assurance salut. Ou konnen, ou kapab sauver, mais des fois ou douter qu'on sauve. Ou kapab sauver, mais des fois ou toujours poser tête aux questions, est-ce que véritablement on sauve? Ça veut dire, ou moun ka sauve, mais li manke assurance salut. Très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans la réalité, devant Dieu, bon Dieu, depuis mon confessé péché, li repenti de mauvaise voie, li accepté le Seigneur comme sauveur et maître dans la ville. La parole de Dieu dit, moun sa sauvé. Mais des fois, ou capable sauver, ou pas senti, ou pas gen assurance saluant. Et au compte sa ennemi, nom nous en fait. Ennemi, nom nous en connaît ça. Satan, le diable, li connaît. Ou gen droit sauver mais ou pas sûr qu'on y a le bras jouer sous ça. Ça le bras faire l'a accusé ou gon baga ou faire ou pas doit faire, il commence à faut douter. Gon désir ou gagner, gon baga ou t'es envie gagner, désir l'a pas satisfait, ou commence à poser tête aux questions, est-ce que c'est parce que me pas servant de bon Dieu? Est-ce que c'est parce que me pas serviteur bon Dieu qui fait mander bon Dieu en baga, regardez date m'a prier, bon Dieu pas jamais répondre prière moi. L'ennemi l'a joué dans l'esprit ou l'a accusé conscience ou parce que tout simplement travail saluant l'hypoko fait ou pas travail ou pas exercer ça l'ou recevoir gratuitement. Mais il est très important pour me dire ça me brel dit là et m'tarremon suivre avec moi avec attention. Assurance salut ou li pas dépendre bien-aimé de son fait. La parole de Dieu dit-li clairement, assurance saluant, li chita sous promesse bon Dieu fait. Jésus dit dans Jean 10, verset 28 à 29, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Pas de personne moun qui ka racho nan men Christ. Moi-même, c'est yon nan moun qui kwede pour sauver ou sauver net. Ou pas gen pour peur, est-ce que me fin sauver qu'on y a me vin perdu? Non, de pour sauver, sauver. Pas gen rien ni personne qui ka retiro nan men Christ. Encore une fois, texte n'a dit, mon père, c'est Jésus qui a parlé, mon père qui me les a donné, qui bam brebis sa yo, qui bam ti mouton sa yo. Mon père est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon père. Pas gen personne moun ki ka retiro nan salut en bien-aimé. Même si ennemi an ta vle tromper vigilance ou, même s'il ta vle tromper conscience ou, li vle accuser ou, c'est pour parler avec tête ou pour qu'on est moins sauvé et moins sauvé net. M'a pas besoin qu'on ait péché ou fait de pour sauver Christ selo pour le jour de la rédemption. Personne pa ka retiro nan men Christ. Ça c'est conviction nous gagner. Assurance salut nous en réalité, l'état doit sortir dans sa la parole de Dieu enseignée. C'est pas dans je nous senti nous jodi an ou bien dans je nous senti nous demain. Assurance salut nous ta doit venir de sa bon Dieu dit dans parole li. Mais la réalité bien-aimé dans le Seigneur, c'est qui s'allier. Réalité an, c'est que des fois en tant que moun ou qu'on sent ou plus près Christ à un certain moment qu'à d'autres moments. Des fois senti ou pi rapproché de maître ou. Et c'est dans moment ça yo ou gain tendance gain plus assurance. Encore une fois, c'est pas comme ça le cadreyer, mais m'a décrit pour réalité.
Et ça ennemi en profite fait, surtout sous ta fond bagaille qui pas bien, les profiter jouer dans l'espoir ou le faut questionner tes tout. Est-ce que ou même tout son petit bon Dieu? Est-ce qu'on vraiment croit que bon Dieu accepte ou? Il commence à fort douter de salut. Donc l'autre travail saluant une bagaille il fait, li barré route ennemi en ta joine pour vinn fort à questionner tête. Très important encore une fois. L'autre travail saluant rester dans le plan de Dieu, ou à exercer ou à obéir avec crainte et tremblement la parole de Dieu. Ennemi en joine moins occasion pour fort douter de salut. Pas parce qu'on t'a doué douter, mais parce qu'en tant qu'humain, li jwenn on fay nan ou. Pas parce que assurance nan vi ni de son fait, mais parce que encore une fois nature péchéant fait que ou capable douter des fois. C'est ça qui fait plus ou travail saluant, plus ou exercer saluant. C'est plus ennemi en pas jwenn trou pour li accuser ou mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc ou vinn gen assurance saluant. Bon, l'autre gens, lorsque on acceptait le Seigneur, ou t'es gain de mauvaises pratiques dans le passé, de mauvaises pensées, de façon t'es qu'on agit, plus vie ou à transformer ou abandonner bagaille sa yo qui c'est bagaille passé, c'est plus ou confortable ou un changement qui gagne dans la vie ou on pas même moun nan encore. Regardez, c'est plus ou senti ou nan salut en vrai. Mais des fois, plus soit lutter ou tomber le veau, tomber levé, li kon pousso à le poser tête aux questions, est-ce que c'est vrai me sauver? Et c'est ennemi, oui, ou sauver, c'est pas qu'on pas sauver, non, ou sauver. C'est juste que, comme on pas travail saluant, ennemi en jouen en brèche, ennemi en jouen en faille nan ou, pour le faut douter, soit recevoir gratuitement. C'est ça qui fait l'important, bien aimé dans le Seigneur. Le travail saluant, il crée sensation ça, il crée dans ou assurance du salut. Ou pas seulement sauver, mon gain assurance qu'on sauve. Ou pas qu'on ait gain de monde bien-aimé qui convertit en première fois, il convertit en deuxième fois. Li tendons l'autre message au fait appel là le convertit encore. Chaque fois le convertit, c'est parce que après elle t'est fini fait première conversion, il retourne peut-être dans deux bagailles. Il pas travail, il pas rester attaché à Christ pour Christ pour joindre force dans Christ pour faire face à sa cabine de vente. Et chaque fois il tend des messages encore, il sent il peut que j'aime converti et puis il a laissé convertir encore. Parce que tout simplement, il sauvé mais il pas gain assurance que le sauver. L'autre travail salaud avec crainte et tremblement ou vinn chita na assurance là. Ou vinn chita na assurance là. Le n'a parlé de salut bien-aimé, la parole de Dieu. L'op comprendre ni bien la parole de Dieu enseigné saluant li gagne deux aspects là-dedans. Deux aspects qui gagne dans saluant. Premier aspect c'est que bon Dieu sauve deux yon bagay. Ou sauver du péché, ou sauver de la mort, ou sauver de la condamnation, du jugement, ou sauver deux yon bagay. Ça c'est premier aspect saluant. Deuxième aspect saluant mes bien-aimés, bon Dieu sauve pour yon bagay. Il pas seulement sauve de péché, mais il sauve pour yon bagay. Bon Dieu sauve pour servir. Bon Dieu sauve pour vin témoin l'amour Christlan envers sa yo qui pas connaît Christ. Bon Dieu sauve pour servir le Seigneur fidèlement. Donc deux aspects sa yo yo marche ensemble. Ou sauver du péché, mais ou sauver pour servir. Sou prend premier aspect seulement ou pas mettre deuxième aspect à l'œuvre ou pas moun k'ap travail saluya. Parce que saluant li supposé vivant dans la vie ou li dynamique dans la vie ou qu'on y a là moins sauvé moins qu'à servir le Seigneur moins pas servir le Seigneur pour m'ka sauver moins sauvé pour me servir mon Dieu. Et deuxième aspect là li très important, sauver pour yon bagay. Témoignage nous c'est ça lié, le n'a partagé avec l'autre l'amour de Jésus, c'est ça n'a fait. N'a témoigné que c'est l'amour de Christ qui sauve nous. Donc deuxième point, bien-aimé, l'exercer salut, l'mettre salut en œuvre,
li bon assurance qu'au certainement sauvé. Et troisième bagay, troisième bénéfice ça lui en gagné, ça lui en bon force spirituelle l'ont exercé ça lui ou bon force spirituelle et émotionnelle face à la mort. Et deuxième texte noté liant de Timothée 4 verset 6 à 8, c'est ça l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul a dit pour moi-même moi considérer me sacrifier déjà et tant pour m'aléant, il pas trop loin. Et dans verset 7 là, on verset que nous connaît nous remet, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Oh, apôtre l'a écrit dans circonstances à Timothée, côté c'est en prison lié le l'a écrit là ça. L'a dit me senti tant m'a pas proché. Li pa gen assurance que l'a sorti dans prison côté liant. Li pa gen assurance côté liant. L'a poué l'a connaît liberté encore. Peut-être yo pral tout décapiter, yo pral tout fini à la ville. Mais l'a écrit dans circonstances comme ça bien-aimé pour encourager Timothée. L'a dit Timothée, m'a gardé devant. Probablement c'est l'homme qui a venu même pas grand qu'un regret. Moi prêt, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. L'on regarde ça, mot l'apôtre Paul utilise, yo, ou senti, non, mot yo, gagné poids, tout lui-même que le tébat et pendant le tap servi le Seigneur. Là, elle dit, j'ai combattu le bon combat. C'est comme si on t'a dit, pas de réserve. L'apôtre Paul baille tout lui-même. Même j'en dis, dans verset 6 là, Je sers déjà de libation. Moi présente tête moi comme un sacrifice longtemps déjà. La vie m'pas pour moi encore. M'pas t'ap vivre pour moi. M'tap vivre pour lui, pour mettre l'an pour le Seigneur Jésus-Christ. Qu'on y a au soir de ma vie, pendant la mort à approcher, moi qu'a dit avec assurance, j'ai combattu le bon combat. Ça c'est premier aspect hein. Au sens l'apôtre Paul a dit, hey, by tout ça me t'ai gagné comme énergie sous le champ de bataille. Il dit j'ai achevé la course. En deuxième image, hein, athlète là qui dans course là qui tellement voulait gagner priant, il pas fait aucune réserve sous énergie le gagné, il by tout lui-même. J'ai achevé la course. Et puis troisième nom, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Ou gen impression l'apôtre Paul campé devant la mort, l'a regardé la mort en face. L'a dit mouche la mort ou bien madame la mort, m'pa konnen jan vle rele. Ou met vini, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Oh mes bien-aimés, yon nan prière m'genyen pour nous à l'église baptiste missionnaire de l'espérance, c'est que nous tout nous ta campé dans conviction ça, nous ta campé dans assurance ça. Parce que tôt ou tard, moi-même avec vous, n'abgé pour nous faire face à la mort. Nous pas qu'on qui joue la pied, personne pas qu'on est. Mais s'il t'a venu pour nous t'a welcome venu, pour nous camper avec assurance, pour nous dire j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Une prière, moi bien-aimé, pour nous toutes qui soulignent, pour moi et pour nous toutes bien-aimées. C'est le jour où ça va arriver, au soir de notre vie, pour nous prêts, pour nous aller sans regret. Pour nous pas trembler devant la mort, nous pas souhaiter qu'un monde mourir. Mais bien-aimé, la réalité c'est que un jour mon Dieu fixé, un jour la prend nous avec lui, un jour la dit nous petite fille, petite garçon, temps fini, viens joindre maître ou. Et prier moi c'est que nous camper pour nous dire j'ai combattu le bon combat. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge me la donnera dans ce jour-là. Et au compte ça, l'apôtre Paul Prel dit, l'apôtre Paul Prel dit nous, moi-même avec vous, parole ça a dit, hein, li pas seulement pour lui, l'apôtre Paul, ou t'as dit, oh, c'est gros l'apôtre Paul qui a parlé. Bien sûr, li a dit parole ça, yo. Bien sûr, li a dit, j'ai combattu le bon combat. Après tout, l'apôtre Paul, c'est un monde, bon Dieu, utilisé puissamment pour faire l'évangile propager parmi les païens. Bien sûr, yon moun tankou l'apôtre Paul ka di parole ça. Mais est-ce que pasteur ou sûr que moi-même tout m'ka dit? Mais oui, m'sûr que moi-même tout m'ka dit. Moi-même tout m'ka dit. Pour qui ça m'sûr? Parce que l'apôtre Paul dit,
C'est pas moins seulement, non. On regarde les versets à verset 8. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Après, Paul a dit, c'est pas moi-même seulement, non, qui ai une possibilité pour obtenir de pied ferme, joue ça, mais tout le monde qui t'a aimé le Seigneur, qui t'a marché dans l'intimité avec le Seigneur, qui t'a recevoir le salut par grâce et qui t'a travaillé saluant avec crainte et tremblement. Moun sa yo, le arrivé dans le bon Dieu t'a fixé, y a qu'à camper pour yo dire, oh, j'ai combattu le bon combat de la foi et la couronne de justice m'est réservée. Mais bien-aimé dans le Seigneur, si ça me devait partager avec quoi soya, la force spirituelle et émotionnelle face à la mort, c'est un bénéfice qui découlait de travail saluant, l'on exercer saluant, l'on vivre la vie tant que monde qui sauvé, ou pas n'importe monde, ou pas qu'à vivre la vie n'importe gens. Bon Dieu lave ou avec sang, li mette à pas pour faire service li sauve du jugement, li sauve du péché, mais li sauve tout pour servir. Travaille saluant avec crainte et tremblement. Travaille saluant avec crainte et tremblement, ou pas n'importe qui moun. Sou ta ou gen impression ou vle reproduire même vie passée, ou di Seigneur, m konnen ou sauvé. Mais gen bagay mwen k ap retourne, m pa vle yo Seigneur. Parle avec mè tou. Ti ou bezwen rentre nan nouveauté de vie an. Ou bezwen rentre tout bon nan nouvel nesans lan. Ou pa vle viv tankou moun ki pa sauvé. Ou pa vle viv tankou moun ki te dans le passé. Ou vle marcher dans cette nouvelle naissance. Ou vle exercer saluant. M te vle encourager yon moun aswaya. Mais toi bénéficions encore une fois, bien-aimé. Endurance dans l'épreuve. Le travail saluant, ou bien endurance dans l'épreuve. Le travail saluant, ou bien assurance. Garde au chita. Ou chita dans l'assurance. Ou pas, vous ne cherchez pas. Mais bien sûr, vous voulez vivre. Si bon Dieu décide de 90 ans, 95, 98, 101 ans, 107 ans, ou apprendre. Ce n'est pas vous fixer combien de jours vous venez faire sous terre. C'est bon Dieu qui fixe. Mais le au soir de ta vie, la mort a vini, ou prêt, parce qu'on gagne ou chita dans l'assurance saluant. Et troisième point, ou gagne force spirituelle et émotionnelle pour affronter la mort. Et ou qu'a dit parole Paul là, j'ai combattu le bon combat, alléluia. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, mes bien-aimés. Moi, prier que le Seigneur fait parole, ça tourne parole par nous. Pour, à travers même la mort, le nom de Jésus glorifié. Qu'il en soit ainsi et que le Seigneur vous bénisse.